C'est ton métier, traiteur. Qu'est-ce que tu veux? Bah vas-y, traite-moi alors. Traite-moi, petite salope. Vas-y, je t'en prie, traite-moi, j'ai qu'envie de ma ça. Ma gueule. Ouais, vas-y, traite-moi. Vas-y, je suis qu'une pute. Être à la fois créatif et physique. En caméra cachée, t'as pas grand monde. François Damien, il est intellect, mais il est pas physique. Rémi, il est physique, mais pas très intellectuel. Tu vois La fesse, il est pas très physique non plus. Lui, c'est quelqu'un que je mets un peu dans une catégorie à part, parce que c'est le travail dans lequel je pense que je me rapproche le plus, même si pour moi c'est plus poussé. Tu vois? Quand je fais un truc, je suis toujours en vigilance en fait. Tu vois? Toujours un peu sur les appuis, pouf, et dès que tu vois le mouvement, là faut partir en courant. C'est pour ça que je m'entretiens, je cours un peu, je fais du jogging, je fais des pompes. Il y a Clara qui m'assiste pour mes étirements. Le moindre erreur de jugement, pouf, tu peux te prendre une cagette dans la tête. Rémi, il s'est pris plusieurs fois des trucs dans la tronche, hein. Et Rémi, lui, c'est un fouteux, lui, c'est pareil, il court, il s'entretient, machin. C'est vrai, pas du tout, je m'intéresse. Et j'ai gagné 10 abonnés. Bravo. Ouais. Je suis fier de toi. T'as de me dénigrer toujours, là. Je te dénigre pas, j'ai rien dit, là, j'ai dit que j'étais fier de toi. Ouais, oui, je suis fier de toi. Ah bah bravo. Ah bah félicitations. Bah c'est vrai, bravo, tu vas aller loin. Juste, regarde-toi, juste prends du recul, regarde ta vie, quoi. Ta copine, c'est même pas ta copine, c'est ton assistante. Tu dis ça parce que t'es toute seule. Hein. Mais je suis très bien. Mais de quoi tu parles là? Je suis très bien, moi. Moi, je suis très bien. Hein. Mais t'es jalouse. Je suis très calme. Non, mais c'est bon, t'inquiète pas. Mais de quoi tu parles de jalousie? Mais arrête, t'es ridicule là. Tu te ridicules. Mais tu l'utilises. T'es en train de te ridiculiser devant mais tout le monde. Mais c'est toi qui es ridiculisé devant tout le monde. Tu sais pas ce que c'est, tu sais pas ce que c'est d'aller voir quelqu'un et de voir juste à son bonjour. Explique-moi, explique-moi, je suis super curieuse. Non, mais tout ça parce que moi je suis ma passion. Tu t'encourager à faire des trucs cool et là tu fais des vidéos sur YouTube, tu fais trop. Arrête avec YouTube s'il te plaît, bordel de merde. On est sur Dailymotion alors. Mais non, mais c'est pas la question, c'est pas la plateforme qui compte. Quand De Niro il fait un film, on dit pas tiens, il fait des films par déjà sur DVD. Je comprends pas, mais ça bouge pas parce que je te vois en train de couler là, en train de faire des trucs de merde. Là je suis en train de couler. Mais tu te ridiculises, tu te rends pas compte. Regarde comment les gens ils te regardent dans la rue, putain, tu te ridiculises à faire ça. Et quand je vois mon frère en train de se ridiculiser dans la rue, mais ça me... Et qu'est-ce que t'aurais dit si t'étais le frère de Van Gogh? Si t'étais le frère de Van Gogh, tu l'aurais dit, ah ben mon frère t'es ridicule, tu te coupes l'oreille, tu parles des croûtes que personne n'achète. C'est ça la réalité. La réalité c'est que je suis un précurseur, et que ce que je fais, personne n'est en train de faire. Tu es un précurseur? Mais t'es sérieux là? Tu te compares à Van Gogh, mais tu te rends compte jusqu'où t'en es arrivé là? Oh putain! Waouh! Oh. Mais que. J'hallucine quoi! Toi, faut que tu sois vraiment sur le coup, pouf, caméra, tu filmes tout. Ça peut être bien d'avoir la sécurité qui arrive, qui machin, qui. Quoi, vous faites oui, quoi? Mais et tout, là, machin. Ça veut dire. Regarde, Rémi, il y a toujours la sécurité qui arrive. Surtout si on est 20, pouf, pouf, et là, on met de la voix dans l'entrée. De toute façon, faut que ce soit rapide, faut que ce soit éclair, c'est opération éclair là. Qu'il y aura le truc vidéo et tout, même machin, mais ce sera beaucoup moins fort, tu vois. Ce qui est fort, c'est l'entrée, c'est paf, opération éclair, 2 minutes, on fout d'awa, on ressort, boum! Tu vois, produit fini, pic pic. Ok, et moi, dans ce cas-là, je filmerai de dos. Alors, vous êtes les 20 à marcher, et moi j'ai les 20 de dos. Bah 20, ça dépend, on a combien de figurants là pour l'instant? 5, je crois. 5? Oui. Non mais c'est que les 5 qui m'ont répondu, mais on a encore 3 jours. Ah, parce que si on a moins de 15, ça sert à rien. Je te l'ai dit, je te le redis, à moins de 15, ça sert à rien. Ça peut pas marcher. Parce que là, si on se promène à 5 pecnos, là, ça peut pas. Non mais... Thibaut, on va le trouver, là c'est juste, on repère, on est en repère. Ah, aïe. Là pareil, avec la vieille, il avait analysé, pouf, et je vais lui dire ça. Lui il fait de la caméra de divertissement en fait, tu vois. Moi je fais, si tu compares ça au cinéma, lui il fait du cinéma Danny Boone grand public, moi je fais des films d'auteur. Thank you.
cherchais le son. Le son de quoi? Bah, la vidéo du traiteur. Tu faisais quoi tout à l'heure? Bah, tout à l'heure, je montais. Et là, c'est pour les bruits de pas et tout. Il y a quoi à monter? Bah, c'est super important, ça dépend où tu commences, où tu finis. Et j'ai fait un seul plan. Où tu l'attaques, où tu le finis, la trajectoire du machin, la post-prod, le grain, le sound design. La caméra elle part, quand tu pars en courant c'est pas terrible, du coup ça faut tout que je rattrape. Allô? Ouais? C'est dans une semaine hein. Ok. Du chocolat? Non, plutôt du thé pour maman. Bah thé vert? Ouais. Ok. Bon bisous. Ouais. Ciao. Sérieusement là. Clara. Quoi? Arrête avec ta pince s'il te plaît, je peux pas me concentrer. Clara. Thank you.